La parole est à Madame Monique Orphée. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. Madame la Ministre, les territoires ultramarins sont confrontés à deux problèmes majeurs. Faire vivre le dialogue social et favoriser la formation professionnelle. Deux axes forts présentés dans votre projet de loi. Le dialogue social n'est pas aisé dans les territoires outre-mer, pour ne pas dire que c'est un leurre. Et lorsqu'il s'instaure, nous sommes davantage dans une culture de l'affrontement que dans une culture du compromis et de la négociation. Cela s'explique par la spécificité de notre tissu économique local, composé essentiellement de très petites entreprises de moins de 11 salariés et aussi par la non-application d'un grand nombre de conventions collectives établies au niveau national. La loi Perben de 1994 exclut en effet l'application des conventions collectives en Outre-mer, sauf mention expresse. Madame la Ministre, c'est une discrimination qui n'a plus lieu d'être en 2016. Il convient donc d'inverser son principe pour que celle-ci s'applique enfin. Cette inversion serait, ceci dit, vide de sens sans la reconnaissance de la représentativité syndicale locale. Par ailleurs, votre texte porte sur un autre axe politique fort, le renforcement de la formation professionnelle pour favoriser l'insertion des chômeurs de longue durée. Nos territoires sont confrontés à un taux de chômage très élevé. Il est primordial que l'accès à la formation y soit renforcé. Ces mesures ont été développées dans un rapport que j'ai présenté à la délégation des Outre-mer. Elles vous ont également été soumises, Madame la Ministre, lors de nombreux échanges que j'ai eus avec vous et votre cabinet. Madame la Ministre, en tant que femme, je voudrais saluer la qualité de votre écoute à notre égard, votre courage, votre détermination. Aussi, pouvez-vous nous indiquer quelles mesures ont été retenues dans cette Merci. Loi pour qu'enfin le dialogue social... Merci. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Monique Orphée. Cette loi est en effet une avancée majeure pour nos concitoyens de l'Outre-mer. Et je m'en réjouis, car il est essentiel. Nous avions, vous l'avez dit, des discriminations. Il n'y avait pas d'égalité accès aux droits. Et puis, l'emploi doit être favorisé sur l'ensemble des territoires de la République. Je salue sur ce point l'apport très constructif, à la fois de la délégation que vous présentez, mais de l'ensemble des députés issus de l'Outre-mer. Grâce à votre intervention, Madame la députée, et le soutien du député Philippe Naillet, la loi mettra fin à la loi Perben en décidant que pour l'avenir, les accords et les conventions collectives s'appliqueront de droit en Outre-mer. Ce sera un progrès historique pour les droits des salariés qui sont aujourd'hui insuffisamment couverts par des conventions collectives. Les organisations syndicales et patronales locales seront consultées sur l'application des conventions collectives passées et pourront décider de les appliquer sur leur territoire. Ils pourront également adapter les accords qui s'appliquent de droit pour que les spécificités de chaque collectivité soient prises en compte. La loi marquera également une avancée historique pour Mayotte, conformément à l'engagement pris par le gouvernement d'y étendre de nouveaux droits. Je salue particulièrement le travail de Monsieur le député Aboubakar, à qui nos concitoyens maorés devront beaucoup. Une première avancée a été inscrite dans le texte pour augmenter les moyens des délégués syndicaux. Le gouvernement déposera un amendement au Sénat qui reprendra celui de Monsieur le député Aboubakar pour appliquer l'ensemble du Code du travail à Mayotte à compter du 1er janvier 2018 en procédant par ordonnance. Ce sera une avancée essentielle et je m'en réjouis car nous devons à nos concitoyens maorés également l'égalité des droits. Enfin, une expérimentation que vous avez citée sera mise en place à La Réunion pour favoriser l'accès à la formation à un premier niveau de qualification. Vous le voyez, Madame la députée, nous avons tenu nos engagements.